Et salut à tous, c'est Akana3 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver sur le jeu, la compilation d'une série qui est connue du monde entier. On est sur le jeu Doom. Dans cette compilation sur Steam, je crois qu'elle s'appelle Ultimate Doom, je crois, il me semble. Vous avez les 4 Doom en fait, les 3 premiers, plus un épisode bonus. Celui-là, ça est Place Consumer. Du coup, là, on va commencer directement par le premier, hein, on va faire les 4. Du coup, le premier c'est celui-ci. Knee Deep in the Dead. Oh, l'accent anglais, putain! Je suis grave content là. J'ai mis 5 heures à pouvoir rec avec Fraps là parce que c'est la galère. Là, on choisit le niveau de difficulté. On va mettre moyen. Hein. Ouais, on va mettre. Ouais, ça. Je pense que ça peut le faire. Allez, c'est parti. Alors, on démarre directement avec un petit pistolet tranquillement. Là, c'est des vies. Ouais. On va prendre un peu de vie, mais même si on a déjà 100, bah là on a 102, ça augmente. Là, c'est une porte, c'est fermé. Du coup, espace, c'est pour faire les actions, ok. Là, il y a un escalier, on va quand même prendre les armures. Allez, en bas, j'ai mon pourcentage d'armure. Hop là, est-ce que ça s'est ouvert? Bon, voilà des mecs là. Des petits mutants. Hop là. Là, il y a masse d'armure. Je crois que. Attendez, je vais revenir quand même sur mes pas, parce que je crois que j'ai manqué. Il y a de l'armure sur la balle, il me semble. Voilà, ici il y a de la mur. Voilà, il y a de la vie. On va prendre tranquillement. Ah, ça fait vraiment plaisir là de jouer à un jeu comme ça, un ancien jeu que je n'ai pas pu connaître. Que je n'ai pas pu connaître parce que j'étais trop jeune, quoi. J'étais pas né, quoi. C'était en 97, je crois, le premier. J'étais littéralement pas né. Du coup, voilà. Hop là, on a tout pris, je pense, ici. Là-bas, il y a une porte, mais elle est fermée. Allez, on va continuer tranquillement. Je suis désolé si on entend un peu mon bruit de souris, mais bon, c'est pas de ma faute. Je peux pas faire autrement, ok? C'est quoi ici? Ah, c'est la fin du level? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une clé cachée? Non, c'est bon, on va avancer, hein, tranquillement. Bon, au début, les ennemis sont un peu faciles, hein. Après, on va rencontrer des putains de monstres. Là-bas, il y a un monstre au-dessus. Il me jette des flammes. Hop, la lune m'a tué. Je peux même pas le viser de là. On peut même pas sauter, quoi, dans le premier niveau. Je découvre totalement la série là. Bon, je connais, mais j'ai jamais réellement joué. Putain, je me suis pris une boule là. Oh là là, le skill. Putain, mais tu vas aller prendre tes balles ou c'est comment? Voilà, tranquille. Je sais qu'il y a des secrets et tout à faire par niveau, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Je découvre pas fort à la foutre. Je vais essayer de tuer un maximum de personnes, prendre de l'armure, prendre de la santé, et voilà, je me casse du niveau. Quoi. Là, je pense que le niveau est fini. Hein. Je peux pas tuer le dernier. Ah, il est là. On va le tuer histoire de. J'arrive pas à viser là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là si on tire sur ça va exploser, regarde. Hop là. Vraiment gaffe, hein, ça enlève vraiment beaucoup de vie. Bon. C'est fini pour le premier level, il me semble. On active ça. Voilà, c'est fini. Voilà, à chaque fin de level, en fait, vous avez le pourcentage de kill de tous les monstres sur le level. Vous avez le pourcentage de loot que vous avez pris d'items et tout. 75 là j'ai eu. Vous avez le secret, vous avez chaque niveau vous avez un secret à faire, je crois, des trucs comme ça. Enfin moi je connais pas, pour l'instant j'en fais pas. Et vous avez en bas à gauche le time, là j'ai mis 2024. Ça c'est pour le speedrun, etc. Et derrière ça, derrière l'image là, c'est les niveaux en fait, regardez. Hop là, on a fait le premier niveau et maintenant on va dans un. Je sais pas c'est. Ah ouais, nucléaire, c'est écrit, nucléaire, je sais pas quoi. Okay. Donc là, nous voilà dans le deuxième level. On va essayer de tranquillement le passer. Voilà, il y a des mutants. Après, on va débloquer plusieurs armes. Hein. Il y aura la mitraillette, il y aura tout. Hein. Au début, il n'y a pas beaucoup d'armes. On a juste le petit pistolet. Et tu vas te les prendre tes balles dans la ganache. Ici, je crois qu'il y a une. Je crois que ce level, il y a une clé à récupérer. Je crois qu'il y a des levels où il y a des clés et tout à récupérer. Du coup, il faut pas que je la loupe. On va partir par la droite pour l'instant. Hop là, je crois que celle-là, c'est vers la porte bleue. Ouais, c'est ça. Là qui me tire. Ah, j'ai récupéré une clé rouge, là, vous voyez en bas à droite, à côté de mon level d'armure, pourcentage d'armure. Hop là, la clé rouge, elle va me servir logiquement à ouvrir la porte rouge, hein, qui est ici normalement. Hop là. Je sais pas si c'est celle-ci, mais. Pour l'instant, ah ouais, putain, j'ai oublié de. Il faudrait que je sauvegarde aussi. Attendez, F6. Là, il y a ma première partie, parce que j'avais joué vite fait. Hein. On va
va mettre YouTube. Et on va mettre un pour le. On peut pas? Un pour le Doom 1, quoi, pour préciser. Parce qu'on va se faire les 4, hein, les gars, tranquillement. Là, c'est une porte. Est-ce que je suis déjà rentré par là? Ben oui, putain, je me perds là. Là, c'est le début. Ah, c'est par là alors. Ah, du coup, là, il fallait la clé pour ça en fait. Ok, on va essayer de faire se poser ça. Voilà, nickel ça. Oh là là, toi. Toi, je t'ai vu, t'inquiète pas. Hein. Hop là. Ah, ça fait un plaisir de règle ça là. Ce petit jeu doux là. Et c'est aussi un plaisir d'utiliser Fraps, hein. C'est vraiment à l'ancienne Fraps. Hein. Parce que maintenant, on utilise OBS et tout, mais. On se rappelle qu'à l'ancienne, il n'y avait que Fraps. Et quelques trucs à la con. Ah, il faut appuyer ici. Tac. Je crois que ça active un truc. Je sais que là, c'est du poison. Le truc en vert, ça enlève la vie. Hop là. Normalement, j'ai ouvert une porte, me semblant. Je crois que c'est en haut. C'est horrible. Pour tirer sur le mec, c'est chaud. Là, c'est quoi ça? C'est une porte secrète? What the fuck? Un piège! Meurs! Ah! On descend, putain! Là, j'ai pris de la vie. Ici, c'est une autre pièce que je vais. Oh là là, il y a la tronçonneuse ici. Comment je pourrais y aller? Là, il y a un truc à appuyer, ok. Je peux pas tirer dessus, non. Du coup, on va remonter. Il faudrait que je me prenne la tronçonneuse, ça peut être pas mal. Hein. Ça, je l'avais pas vu, ça, quand j'avais testé le jeu. On va essayer derrière. Tronçonneuse. J'ai vu que c'était à droite, il me semble. On va tirer dessus. Là, non, c'est pas du tout là. Ok. Ah, c'est là. Et ici, il me semble. Oh putain. Où suis-je? Ils vont dans le putain de labyrinthe. Oh putain. Explose-moi ce truc. Voilà. Là, il y a de la vie à prendre. Ouais, c'est cool. Mais moi, ce que je voulais prendre, c'est la tronçonneuse en fait. Hein. Du coup, je suis un peu dégoûté là. Ouh là là, il faut que je les esquive, ces boules, sinon elles font très très mal. Hein. Il résiste bien, lui, avec le flingue. Tac. Ah ouais, ça, je l'avais pas vu, ça. La tronçonneuse doit être pas loin. Putain, c'est l'ambiance, vraiment, pour l'époque, c'est excellent. On va essayer d'exploser ça, là. Putain. Ils sont vénères, ces putains de monstres. Oh, l'ambiance avec la lumière et tout, c'est vraiment pas mal. Bon, on va prendre de l'armure. Ah, oh, là, j'ai une armure verte. Tac. Faudrait pas que je m'y perde, hein. Putain, je suis perdu, là. J'espère que vous voyez quelque chose. Là, il y a tac, il y a de la munition. Il y a de la vie. Oh, on fait le plein de munitions, hein. Je sais pas si dans chaque level, on garde les munitions. Je crois, normalement, logiquement. On va se casser de ce labyrinthe, parce que je suis un peu perdu, là. Ouais, je me casse ici, là, en fait. Là, il y a un mec, il y a de la vie. Ouais. Je vais quand même sauvegarder, je vais souvent sauvegarder. Hein. Hop là, il y a la sauvegarde rapide comme ça. Comme ça, je vais pas trop recommencer depuis le début, quoi. Putain, mais je suis vraiment perdu en fait. Hein. Ah, c'est bon. Logiquement, je suis revenu de là où j'étais. On va se casser d'ici parce que là, il y a trop de trucs. Hein. Je me casse. On se casse, on va continuer le level. Tant pis pour la tronçonneuse, c'est pas grave. Du coup, il me semble que ouais, c'était là. Hein. J'avance comme ça. Ouais, voilà, c'est là. La suite du level est là. Hop là. Et voilà, c'est fini normalement. Voilà. Il m'a emmené en fait en bas. Ouais. Explose-moi ça. Voilà. Attends, on dirait des. Comment ça s'appelle ces monstres là? Un peu poilus là, je m'en rappelle plus. On dirait ça. Hop là, on prend la vie. On appuie ici, ça va faire quoi? Ça va ouvrir une porte. Ok. Hop là, à droite, faites pas gaffe. Là, il y a un escalier. Là, il y a de la life qui ne sert à rien. Et là, on fait le tour, ok. Il faut aller à la droite. Ça a l'air bien ce jeu, hein. C'est ouf. On va quand même quick sauvegarder. Hop là, normalement, la fin de vie. Oh putain. Comment faire gaffe au mec aux pompes parce que de près, il t'enlève un masse de vie. Hein. Avec le pompe là, faire gaffe. Je les ai atomisés la gueule. Regardez un peu les graphismes de. Putain, franchement, quand je vois ce genre de graphisme, ça me fait vraiment chaud au cœur. Genre, ça me rappelle un peu l'époque, même si j'étais pas né, mais. Voilà quoi!
Voilà, c'est fini pour le deuxième level. On va voir un peu les stats. 97% de kills, c'est cool. Item, j'en ai pas ramassé beaucoup. Secret 0. Bon, le secret, on ne le fera jamais, hein, je pense. Du coup, le level s'appelait Nuclear Plant. Ok, plein. Et là, on va aller dans Toxine Raffinerie. Ok. Bon, logiquement, je pense qu'il y a du poison. On va quand même sauvegarder. On va sauvegarder tranquillement. Hop là. Là, c'est la porte du début. On va ouvrir ça. Ok, là, il y a de la life. Qui ne sert à rien. L'armure, je la prends. Ou à droite. On va tuer ces putains d'ennemis là. Hop là, hop là, hop là. Il y a une porte bleue, du coup, je suppose qu'il faut que je prenne une clé bleue. Hein. Key Blues. Blues Key. Ok. Du coup, faut aller par la gauche. Là, il y a du poison ici, en fait. Là, je crois que si je saute, je meurs, hein, logiquement. Qu'est-ce qu'il me tire dessus, là? Ah, c'est lui, là. Fais gaffe, lui, la pompe, ça fait vraiment mal. Hein. Ouais, au fil des levels, vous allez trouver des ennemis de plus en plus redoutables. Hein. C'est logique. C'est un peu le but des jeux, quoi. Hop. Ah, j'ai ramassé le pompe. J'ai 50 munitions sur le pompe. Pour l'instant, je vais le garder, je pense. Allez, allons chercher la key. Hop là, là, il y a la santé. C'est quoi ce truc? Une double. Ça fait penser à Half-Life. Half-Life, ouais, le premier. Là, il y a un bouton à appuyer, ok. On va descendre ici. On va prendre juste de la vie comme ça. On va descendre là, faire gaffe. Et je le one-shot. Ah, il m'a fait mal, lui. Je crois que j'ai appuyé ici. Je crois que ça nous a ouvert ici. Hein. Ouais. Ah, c'était de l'armure, en fait. Nickel. Il ne sert strictement à rien, en fait. Pourquoi ça n'a pas marché? Ok, on va monter, j'ai vu un mec. Hop là, je te one-shot. Du coup, là, j'ai récupéré le pompe, mais je l'avais déjà, en fait. Pas grave. On va descendre d'ici. Allez, allez, let's go, let's go. Oh, c'est quoi ça? Oh putain, le monde, c'est bon. Je vais un peu faire le ménage avant d'y rentrer. Voilà, comme ça. Hop là. Voilà, tranquillement. Ah, franchement, la maniabilité est excellente. Hein. Ils ont bien fait avec le clavier et tout là. Nickel. Ouais. Avec des monstres loin, non, faire gaffe. Est-ce que je peux les tuer? Ouais, je les tue moi tranquillement. Oh, il y a du corps là par terre. Hein. Là, il y a une armure, une mission. Oh putain, c'est... Oh putain, merde. Si j'avais tiré dessus le truc vert là, ça aurait explosé sur ma gueule. Recule, recule, recule. Faire gaffe aux mecs au pompe, hein. Faut faire vraiment gaffe à eux. Surtout que si ils tirent sur le truc vert là, ça va exploser, on va tous exploser ensemble. Attendez, j'ai pas vu à droite là. Oh, y a rien, y'a rien. On va quand même se garder. Tac. Let's go. Hop là. Ah, je vois la clé là-bas. C'est la clé là-bas au fond en bleu. Du coup, voilà, on a récupéré tranquillement la clé bleue. Voilà, hop. What the fuck? Oh, le piège. On voit rien. Ah. Je vais par là. Il est où ce bâtard? Viens ici, mec. Comment je fais pour me repérer avec la lumière comme ça? Putain, c'est vraiment pas mal hein, pour l'époque. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est excellent. Voilà, bon là on va aller dans la... On va ouvrir cette putain de porte bleue là. Que j'ai récupéré la clé. Hop là, on revient au début. C'était pas ici. C'était ni là, c'était là. Voilà, c'est bon, on est revenu au début. Voilà. Hop. Est-ce que je prends la vie? Est-ce que tu fais la... Non, non, pas. On va sauvegarder, on sait jamais. Ouais, si vous voulez un tuto pour savoir comment filmer le jeu, comment rec avec Fraps, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi hein, si vous ne connaissez pas. Je fais des vidéos sur des jeux tranquillement. En général, je fais de la face cam, mais... Putain, il s'est exposé lui, même. Ouais, en général, je fais de la face cam, mais... Je fais démonter, là. Ouais, je fais de la face cam, mais je sais pas, des fois, je sais pas, je préfère comme ça, sans rien, à l'ancienne. À l'ancienne, les gars. Je pense qu'on va plutôt aller à gauche. Ah, bah c'est un... Hop là. Tu veux te la prendre, ta balle. Bon, il n'y a pas de système de dégâts avec la distance, hein. De loin, je joue one shot. Faudrait que je garde le pompe, hein, quand même, non? Ah, mais ça va, il y a de la mine ici. C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est un piège ici. C'est quoi ça, là? Il y a de la mine. Ok. Là, c'est un portail. Là, j'ai explosé, ok. Je fasse, je pense que, ouais, il faut aller au milieu, je pense. What the fuck? Putain, c'est pas mal, hein, c'est badass hein, pour l'époque. Hein. Badass.
Ah bah j'ai fini le level. J'écris exit là. On ramasse un peu de la vie et go pour le level 3 ou 4, il me semble. J'ai zappé. Allez, c'est parti. On a fini avec 75% de kill, 32% de d'item, secret 0. Bon, les secrets, je vous ai dit, on va pas le faire. Et aussi le time, le temps, on va pas jouer le temps, quoi. On fiche un peu. Là, non, c'était notre truc. Là, on est au quatrième, c'est le command control. Ok. On va sauvegarder tranquillement. Ça fait quoi, 15 minutes? Ouais, tranquille. On va faire des épisodes de 25 minutes, je pense. Là. Quand tu dégages. Ouais, au fur et à mesure, les levels sont vraiment énormes. Enfin, ils sont plus grands que d'habitude. Et plus complexes, logiquement. Là, c'est du poison. Putain, je vais faire exploser ça comme ça. Je risque rien. Allez. Voilà. Lui, il a résisté à l'explosion, c'est. Enfin, je vais t'esquiver. Hop là. Ok. Là, il y a du poison. J'entends un bruit là. J'espère que vous voyez un peu un minimum. Là, c'est un noir encore. Ok. On va monter ici. Ah ouais, j'ai fait l'inverse en fait. Je crois qu'il faut prendre l'armure là que je viens de voir ici pour aller dans le. Ok. Ouais, c'est une armure contre le poison. Du coup, ça va me permettre de marcher logiquement sur le poison. C'est ici là. Voilà. Hop là. Attendez, derrière, il y a quoi? Il y a rien. On va aller ici. Oh là là, toute l'armure. Oh! On débloque le bazooka. Nickel. Et il y a un truc à appuyer. On va pas, pour l'instant, le bazooka, on va le garder. Hop là, attends. On va switcher sur le pompe. Hop là. Ah merde, putain, il fallait que je saute dessus. Comment je fais en fait? Je suis mauvais. Faut que j'appuie en étant dessus. Oh merde, putain, je me suis fail. Oh merde, j'ai soulevé ça, mais il veut plus redescendre. Ça casse les couilles, ça. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Putain de merde. Bon, ok, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. J'ai gâché le jeu là, s'il faut. Putain. Voilà. Voilà ça. Attendez, j'appuie ça. Comme ça, on sait jamais. Ok. Je dois aller où? Ok, ici. Ça m'a ramené au début, ok. Là, c'est quoi ça? Oh putain, d'homme. Explose-moi leur gueule là. Bah, du coup, on va le garder pour des monstres plus féroces. Hein. Je vois un mec là-bas qui se ramène. Go, go, go. Hop là. Je vais dégager. Hop. Du coup, ici, il y a quoi? Il y a de l'armure, c'est ça? Ah! Ah ouais, c'est la mitraillette, ça. Regardez. Tac, 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 tac. Et là, il y a la clé bleue, ok. Il y a une clé bleue. Faudrait que je trouve la porte. Merde. Je peux être le pompe. On va quand même sauvegarder. Ah, la porte là-bas est bleue. La porte bleue est là-bas, je pense. On est juste derrière comme ça. Voilà. Est-ce que je tente pour revenir en bas? Qu'est-ce qu'il fout, lui? Il peut tirer à travers les trucs. Ah merde, putain! J'ai plus l'armure! J'ai plus l'armure, putain. Il est passé où? Ok, bon, j'ai trouvé la. Oh là là. La porte bleue, il me semble. What the fuck? Putain, mais il est énorme le jeu. Hop. Il faut faire gaffe, hein, il y a le pompe. Ouais, le jeu est énorme. C'est quoi ça? Ça, c'est de la munition, je pense. What the fuck, je suis bleu. Ah, il faut que je prenne la yellow, ok. Mais j'ai la bleue, du coup, faudrait que j'aille sur la bleue. Faut d'activer quelque chose, je pense. Non. Ah non, ah non, elle a sorti en fait, ok. Il faudrait que j'aille ouvrir logiquement la porte bleue pour trouver la clé jaune, ok. C'est pas ici, là, tu dégages. Logiquement, attends. C'est ici que je suis venu en bas là? Putain, je suis perdu, je suis déjà perdu. Alors, je suis pas venu ici. Il y a les mecs au-dessus. Putain, j'ai tué 3 mecs en même temps. Là. Ok, on va monter là. Là j'ai vu qu'il y a une armure en bleu, c'est peut-être pas mal. Voilà, j'ai finalement bleu. Oh putain, le monde. Allez, prenez ça dans la gueule. Ouh là là, il y a masse de vis ici. On se refait plein d'armure, ok. Bon, maintenant, prochain objectif, c'est de trouver la porte bleue. Logiquement, elle est.
Ça doit être vers là. Il y a un truc qui s'est ouvert là aussi. Prendre la life, ça c'est. J'ai appuyé sur un truc, ok. Merde. Allez, descends, putain. Et que j'appuie pour remonter, ok. Allez, on monte. Est-ce qu'on va à droite? Non. Ah putain, mais je reviens ici, putain, c'est un véritable labyrinthe. Je suis vraiment pas doué, moi, pour ça. Ok, là, il y avait de la mine, mais ça ne sert à rien. Allez, nous sommes partis en quête pour la porte bleue. Putain. Ici, je suis... Ah, bah, elle est là, la porte. Faire gaffe. On va quand même monter à gauche, là, pour voir ce qui s'y traîne. Ouh là là, je perds mon français. À droite, y'a quoi? Y'a rien. Ok, y'a rien. Oh là là, de prix fait mal. Il m'a enlevé 10% de bâtard. On va quand même se regarder. Hop là, vite fait. On va finir le level et on va finir le premier épisode. Ouh là là, c'est pas flamme. Oh putain. Allez, encore un labyrinthe. Ouh là là, c'est quoi ce monstre? C'est un minotaure ou quoi le truc? Ils sont combien? Faut 2 balles de pompe pour les tuer, putain, il faut que je fasse gaffe aux mines. Là, c'est quoi les mines pour les pistolets, ok. Faire gaffe, c'est quoi ça? Hop là. J'ai la clé bleue encore, je sais pas si je l'ai utilisée. Ouh là là, lui, il était chaud. Hein. Hop là, on monte ici. Putain, mais quel labyrinthe. Oh, putain, ça m'attaque en masse. Oh putain de merde, ça m'attaque en masse. On va prendre la vie ici. Ok. Ça devient chaud, hein. Désolé, je suis vraiment un gros noob. Ouh là là, l'armure ici. Ah voilà, Yellow Key. Ok, j'ai tout normalement. J'ai tout, les gars. On va monter par là. Et logiquement, on va se casser par là. Et voilà, ça a augmenté. Putain, yes. Ouh, ça commence à être chaud là. Hein. Hop là. Attendez, mais Yellow Key, c'était pas dans une autre porte, attendez. Elle était vers là, la porte, je crois. Est-ce que je tente le diable à aller dans la porte yellow ou j'avais la fin du level là? On se casse, on se casse, on se casse. On se casse, les gars, on se casse! Go, go, go! Allez, on finit le level. Hop là. J'espère que c'est pas un piège. Ouais, normalement, exit. Ouf! Bon, j'ai pas fait la porte jaune, mais bon, c'est pas grave. On s'en sort quand même avec un 96% de kill, 90% d'item et 33% de secret. Ah, j'avais commencé le truc en fait. Ouais, je pense que c'était la porte jaune, là, il fallait que je l'ouvre. J'aurais fait le secret, je pense. Du coup, voilà, c'est cool. Nous allons dans le 5e, 3, ouais, 5e faux boss lab. On va se laisser là, je pense. 23 minutes, est-ce qu'on se laisse là? On fait un dernier... Allez, vas-y, on va faire un dernier level, on va essayer. Allez hop, on va passer par là. Ça nous enlève de l'armure. Toi, tu vas te prendre ta balle de pompe. Hop là. Oh, il y a beaucoup de monstres maintenant. Je crois qu'il faut les éviter en fait. Allez, ouf. Oh putain. Il y a du monde là maintenant. Là, il y a de la life. Donc j'aille à droite. J'ai pas envie s'il fallait des clés ou quoi. Ah, mais je suis déjà passé par là. Putain, il y a un mec invisible! What the fuck? What the fuck? Il est là ou pas? C'est quoi ce bordel là? Je me jette ici, c'est ça? Est-ce que je tente ou pas? Vas-y, je vais tenter. Aïe aïe aïe, je perds de la vie. Oh putain, le piège. Putain, je vais mourir. Oh là là, je suis deg. On va charger ma. On va pas attendre que je meure là, on va charger ma sauvegarde. Du coup, on va aller, on recommence au premier level. Enfin, au début du level. Faut que j'évite. Putain, je suis con, moi aussi je me jette dans le poison. Faut que j'évite de me mettre dans le poison en fait. Allez, putain. Allez, il est encore là ce mec. Putain.
Là, il y a une porte, j'y suis déjà allé. Ça sert à rien en fait, cette porte. Voilà, à droite ici, là il y a de la vie. Ok, je sais même pas où faut aller en fait. Ok, je monte par là. Ah, bah c'était là en fait. Ok. Tu prends ta balle, toi tu prends ta balle, toi tu prends ta balle. Là je vois une clé jaune là, mais j'ai pas vu de porte, c'est ça le problème. Est-ce que je peux passer par là, non? Ok. Bah, je suppose qu'il faut passer à droite, hein, logiquement. Ah, il n'y a pas de porte en fait ici. Bah, faut passer par là. Putain, heureusement que je suis passé par là parce que j'ai la clé en fait. Là, est-ce que c'est un piège? Ah non, merde, je suis con, mais je suis totalement bête, hein. Moi, les jeux comme ça, je suis vraiment naze. On va choper l'armure, je sais pas si je peux la prendre. Ok, bon, on va retourner en bas. Faire gaffe, là, il y a masse de monde. Ah, la porte yellow, là, à la gauche, ok. On va quand même tuer tous les mecs, histoire d'avoir un bon pourcentage. Putain, j'aurais pas parlé. Merde, putain, je vais squash le truc à la gueule. On va quick. Allez, au bout de ça, là. Ok, c'est pas... Ouh là là, la pute. Faire gaffe à ces boules, hein. Gauche ou à droite? Faire gaffe à ces boules, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Ouh là là, mais là je fais du what? Je fais un shot et je tue tout le monde. Ah, le pompe, je kiffe trop, surtout dans Half-Life, c'est mon arme favorite. Half-Life. Merde, putain! Bordel de cul, là, tu vas mourir. Je commence à prendre cher là, les gars. Comment ça se fait qu'il y a un truc comme ça là? Je venais de... Ah, c'était là. Ok. Faut passer par où? Je comprends pas là. Ah, ok, il y a un bouton appuyé. Faudrait que je m'améliore. Putain, mais il y a un mec invisible là. Faudrait que je m'améliore pour esquiver les balles parce que sinon, dans les prochains levels, c'est mort. Hop là. J'ai activé ça. Ok, et du coup ça va... Attends, on va sauvegarder quand même. Du coup ça va m'aider à quoi? Je me mets dessus et je monte pour chercher l'armure, c'est ça? Eh ouais, putain, je suis con! Pourquoi je suis parti? Je suis vraiment un triso. Ah ouais, je vais chercher l'armure, après ça va me monter en haut, ok. Ah, il faut que je rappuie en fait. Ah non. Là je peux prendre l'armure, mais bon, là. Je sais pas où ça va monter. Putain de merde, pourquoi ça me remet là? Quel noob! Ah, je crois que c'était juste pour prendre l'armure en fait. En plus, j'avance avec la souris, mais putain de merde! Ça, faut que je le désactive dans le prochain épisode. Attendez, on va attendre que ça se rabaisse. Mais putain! Souris de merde! Putain de merde! Je vous dis, en fait, ma souris, là, quand j'avance ma souris, ça avance aussi. Ça casse les couilles, quoi. On va plus bouger. Bon, ok, je me casse. Je pense que ça... Mais oui, c'est obligé. Attends. C'est obligé que ça sert à... Putain, mais je suis déjà bloqué, en fait, là. Et la life. Ah, ça m'a... What the fuck? Ça m'a surélevé comme ça. Je suis perdu là. C'est ouf. On va repasser par là, on va essayer de surélever. Dans ce côté-là. Ah, je pense que cette salle, c'était juste pour l'armure et les munitions, quoi. Peut-être qu'il fallait, ouais, il fallait ouvrir, appuyer sur les deux boutons. Bon, on va se casser, c'est pas grave.
que j'active. Ah bah j'ai activé un truc là, non? Il me semble que j'ai activé une porte là. Ici, là, voilà. Hop là, je monte ici. Voilà, en fait, c'était ça en fait. Il fallait appuyer sur les deux boutons. Ouh là là, ça m'a stressé là. Oh là là, il y a plein de. Un putain de Minotaur en plus là. Et bouge, putain, pourquoi je bouge pas, je suis vraiment nul. Faut que je bouge pour esquiver les balles. Toi, je vais t'exploser comme ça, voilà, nickel. What the fuck? Ils se tirent entre eux. Ouais, putain. Ah, c'est à droite. Ok, ça ouvre une porte, on va s'en garder. Oh putain! Lui, il faudrait vraiment lui esquiver ces trucs. Hein. Ok. On sauvegarde. On prend les balles. On voit rien dans le noir en plus. Il faut vraiment esquiver les balles. Hein. Enfin, les boules de feu. Oh, je suis pas doué. Oh la pute, en plein dedans. Il m'a mis la balle dans le crâne, enfin la boule dans le crâne, c'est ouf. Putain, j'ai peur, là, il fait tout mort là. Oh putain. Il m'attend des bâtards. Hop. Bon, eux, ils sont faciles à tuer. Hein. Oh là, il y a un masse de. Bah ouais, mais lui, il est invisible. Je sais pas si c'est un bug ou c'est vraiment dans les mains qui est invisible. Bon, là, j'ai une clé bleue. Je sais pas si c'est un bug ou un mec qui est invisible, mais. Voilà, cool. Voilà, la porte bleue là. Il va se calmer, lui. Il va se calmer. Il est mort, ok. On va sauvegarder parce que là, pff, ça va plus. Là, c'était, je suis revenu au début, mais sauf que là, j'ai débloqué la porte bleue avec la clé bleue. What the fuck, putain! Je vois rien! Help me! Ah! Je suis bloqué! Je suis bloqué! Ah oh, putain, je suis mort! Non! What the fuck? Pourquoi je suis revenu au début? Attendez, il n'y a pas ma sauvegarde? Mais si, il y a ma sauvegarde. Enculé. Ah ouais, donc là, faut que je speed. Je pense que je vais prendre la mitraillette. Faut que je speedrun en fait, là, je pense. J'explose comme ça. Faut que je prenne le temps de tous les exploser un par un, mais je pense pas. Ouais, tue vite cette mitraillette, hein. On va passer par la gauche. Il y a de la vie. Putain, mais. Je me fais poursuivre par des trucs invisibles. Ah, j'espère tout! Oh, ça marche bien cette technique. Oh putain, c'est stressant. Où est la sortie? Ah, c'est bon, j'ai pris les lunettes. Vous avez vu, j'ai pris les lunettes et je vois dans la nuit maintenant. On va se poser ça dans sa gueule. Putain, ça va dégager. Ok. La sortie est là. Oh non, putain, c'est l'entrée. C'est l'entrée, bordel. Putain, ça fait place d'un bon jeu comme ça. Il y a que. Ça, c'est. Ah, voilà, la sortie est là. C'est que les anciens jeux qui sont bons comme ça. Voilà, et voilà, le level est fini. Putain, il était chaud. 100% de kill, j'ai eu. Putain, GG. Item 41, secret 11, c'est déjà ça. J'ai mis combien de minutes? Et 8 minutes, quand même. Central Processing. Ok. Bon, on a déjà fait presque tous les levels. Hein. 3, 4, 5, 6. On va sauvegarder. On va se laisser là pour le premier épisode. C'était vraiment fun, hein, les gars. J'ai vraiment kiffé à faire. Je vous dis à la prochaine et j'espère bientôt. Et putain, ça fait du bien de faire des bons jeux comme ça, là. Allez, à toutes, les gars.